السلام عليكم، معكم محمد هيراك. شفنا من قبل واش هي اون اكسيبسيون وشفنا لي ديفيرون تيب تاع لي اكسيبسيون. اليوم ان شاء الله نشوفوا كيفاش نتريتي اون اكسيبسيون. وبيان سور كي رانا نهضروا على لي اكسيبسيون، نهضروا على لي اكسيبسيون كونترولي باسكو هما اللي نقدروا نتريتيوهم. و لا بروميير مانيير اللي نتريتيو بها اون اكسيبسيون كونترولي هي اون يوتيليزون لو بلوك تراي كاتش. الوغ كوم انتروديكسيون قال لك اون اكسيبسيون كونترولي هي اون اكسيبسيون كي يغي دي لا كلاس اكسيبسيون. Elle peut être standard, définie dans JDK ou bien personnalisée. A des fins d'un diagramme de classe terne, les toutes exceptions contrôlées rahent une instance d'une classe, une sous-classe, la classe exception. Ou les exceptions contrôlées, elles ont les exceptions standard ou les exceptions personnalisées. Avec un programme Java bien écrit qui contient une partie du code pouvant générer ou provoquer une exception contrôlée, doit essayer de la traiter ou récupérer de l'une des deux manières suivantes. Maintenant, le bloc try catch, maintenant, en utilisant le mot-clé throws. Le bloc try catch. Alors, où est-ce que vous voyez le bloc try catch? Le bloc try catch, vous fait deux clauses, la clause try ou la clause catch. Donc, la clause try s'applique à un bloc d'instruction correspondant au fonctionnement normal mais pouvant générer des erreurs. Donc, le bloc try time, un ensemble, c'est un bloc d'instruction, ça peut provoquer une exception, les générer des erreurs. Bon, ou la clause catch s'applique à un bloc d'instruction définissant le traitement d'un type d'erreur. Ce traitement sera lancé sur une instance de la classe d'exception passée en paramètre. Donc nous voyons comment il fait. Bon, on a le bloc try time a fait un ensemble des instructions. Il peut générer une erreur ou une exception. Le catch qui marque comme tu veux, on a comme paramètre. Une instance de la classe d'exception passée en paramètre. Ce sont des instances. C'est une sous-classe d'exception. C'est un type d'une exception contrôlée. C'est une instance. Par exemple, c'est une instance de la classe exception. Par exemple, dans le cas, tu vois les traiter une exception et ça rate une erreur sur le bloc try time. Qui m'a rendu vous l'exemple là-dedans. Par exemple, on a la division sur 0. Par 0, pardon. Donc, on a derrière le bloc try time, on affiche le c'est un bloc d'instruction normal. Ça peut générer une erreur. Qui maintenant la division de i sur j, seulement il y a un j 0, il va dire une erreur. Sinon, il va dire que c'est un bloc d'instruction normal. Et là, le catch, on va dire une instance, on a comme paramètre, on met une instance de une classe, une sous-classe de la classe exception. Par exemple, arithmetic exception, c'est une sous-classe de la classe exception. Ou une instance. E, c'est une instance. Donc, c'est un objet de type arithmetic exception. Ou on a le traitement de l'exception. Il y a une division par 0. Il y a une division par 0. Donc, on va dire, par exemple, on va dire g égale à 0. وراح ندير لو بلوك تراي تاعي كيما هكدا بعد نديرو كاتش اريثميتيك اكسبشن كيما سموها واش تحبي ديرو باغ اكزومبل راه ما يهمش اسونسيال وهنا طافي شي واش حبيتو لو ميساج اللي حبيتو ديرو لو تريتمون اللي حبيتوه نتوما ليكسيبسيون تاعكم باغ اكزومبل اذا كان ديفيزيون بار زيرو تقول ليتيزاتور بلي راك ديفيزيت بار زيرو دونك تو سامبلومون تكتب ديفيزيون بار زيرو باغ اكزومبل ندير ديفيزيون امبوسيبل عافسه كيما هكذا دونك دوكا كي راح نيكزيكوتي نورمالمون يافيشي لي لو ميساج تاعي بي سي تاعي لقيت شويه كما راكم تشوفوا هنا افيشي لي ديفيزيون امبوسيبل مي كون ندير باغ اكزومبل هنا ما نديرش زيرو وندير ان برك دونك ما راهوش راح تصير ماشي هاد في البلوك تراي تاعنا ما راهش راح تكون ايرور دونك ما يروحش للكاتش هادي ما يافيشي ليش ديفيزيون امبوسيبل دونك تشوفوا نورمال يعطيني ريزولتا عادي 3 ها كي افيشي ريزولتا نورمال الو قال لك
que se passe-t-il quand une exception est levée? Donc, elle est bien. Donc, à tout moment, une instruction, une méthode peut lever ou lancer une exception. Elle est à ça, à tout moment. Et l'instruction dit qu'il y a une erreur ou là, elle peut lever une exception. Donc, une méthode peut attraper, récupérer, saisir. De Camel, ce sont des synonymes. Une exception, bien la laisser se propager en la laissant remonter vers la méthode appelante qui peut elle-même l'attraper ou la laisser remonter. Donc, une méthode, elle est traiter l'exception, récupérer avec l'exception, ou l'autre, la méthode appelante, elle est traiter l'exception. تطرابيها ولا تريكوبيريها ولا تخليها تطلع دونك سي كيما نقولوا حنا سي تون بيل دونك لا ميثود هذيك الاولى هي سوا تريكوبيري هذيك ليكسيبسيون ولا تطرابيها ولا تخليها تفوت لا ميثود اللي موراها لا ميثود ابلون وهكا تطلع اذا ما اشاك فوا لا ميثود هذيك اذا تريتها الاولى كيما نقولوا حنايا سي بون سي نوت خليها تفوت لي فوقها اللي جايه في لابيل ومن بعد اللي فوقها حتى تلقى اون ميثود ابلون اللي راح تريتيها Sinon, donc on joue bah là aussi ça va. Donc on a que le premier cas, il sera qu'est-ce se passe-t-il quand une exception est levée. Le premier cas, il a quand l'exception a dit sera en dehors d'un bloc try. Alors la méthode retourne immédiatement. L'exception remonte vers la méthode appelante. Donc la méthode retourne immédiatement. Ou ça sera l'exception doit là vers la méthode appelante. Alors la main est donnée à la méthode appelante. L'exception peut alors éventuellement être rattrapé et traité par cette méthode appelante ou remonter dans la pile. C'est-à-dire qu'il est retenu. Donc, soit avec la méthode appelante, il y a chose qui sera une exception charge de bloc try. Tu auras la main de la main qui m'a dit la méthode appelante. Soit avec la méthode appelante, tu attrapes et traité. Sinon, tu auras la pile ou tu auras la méthode de mémoire. Est-ce que tu es le cadre de t'attraper et traité à tani? Voilà le deuxième cas. Dans un bloc try, si une des instructions du bloc try provoque une exception, qui m'a fait l'exemple d'un an, elle dit l'autre, provoque une exception qui compte 0, je vais te dire ça. Les instructions suivantes du bloc try ne sont pas exécutées. Donc, par exemple, là, on vient de notre affichage, il faut que les marches exécutent l'instruction, et j'ai un mort d'instruction, les dertes, les erreurs. Par exemple, on dit Mohamed, on dit une autre. Wahda, belle l'instruction. Qui m'a dit que les dates l'exception, ou les dates l'erreur. On connaît exécuter, on a donc tu fais la fiche. On cherche à afficher. Est-ce qu'il y a affiché Hirak au résultat Mohamed ou division impossible? Donc je vais afficher qui exactement. Enfin, bon, qui m'a dit, tu vois, il y a affiché Hera ou division impossible. Donc, qu'est-ce qui sera? Qui te voit le bloc try tana? Exécuter Hadi, normal, mais il cherche à lever une exception. La deuxième, d'être une erreur. Donc, Hadi, l'instruction, il y a affiché Mohamed Moucha, il y a affiché Hera. Donc, il y a directement le bloc catch, il y a le catch, il y a est-ce que elle est correspondante à l'exception, les sera tana, il y a l'instruction Hadi. Alors, si au moins une des clauses catch, donc je m'en amène à cadrer qu'on a plusieurs clauses catch, mais je m'en amène à dire qu'on a trois clauses catch, il y a plusieurs catch. Alors, si au moins une des clauses catch correspond au type de l'exception, correspond au type de l'exception. Quand on a un type d'exception qui ne correspond pas au type de l'exception qui a été levé, non? ما راهوش راح كيما نقولوا حنا ماشي راح تريتيها قالك لا بريمير كلوز كاتش ابروبريت اكزيكوتي دونك يحوس على لا بريمير كلوز كاتش ابروبري وي اكزيكوتي ها قالك ليكزيكوسيون سو بورسوي جوست ابري لو بلوك تراي كاتش دونك بيان سور هنا ابري بلوك تراي كاتش نقدروا ثاني نكمل عادي الاخر تاعو شغل ليكزيكوسيون عادي دونك نزيد نسيا برينت هان هلو فور اكزومبل Donc tu vois, il y a affiché Hello normal. Parce que après, je vais le traitement de la tête, je vais affiché Hello normal. Alors sinon, ou je vais sinon, il y a au moins une clause catch correspondante, la méthode retourne immédiatement, l'exception remonte vers la méthode appelante. Tu as déjà créé la méthode retourne immédiatement, l'exception remonte vers la méthode appelante. Maintenant,
quelques remarques, enfin, dans les cas où l'exécution des instructions de la clause try ne provoque pas d'exception, le déroulement de la, du bloc de la clause try se déroule comme il n'y avait pas de bloc try catch. Le programme se poursuit après le bloc try catch. Donc, comme quand je fais une exception, non, l'exécutif aussi est normal, comme si je fais un bloc try catch. Try catch, les ensemble des instructions, les chacun fait un mot à la banane, peut-être provoquer une erreur ou une exception. Alors, si le bloc catch est vide, aucune instruction entre les accolades, donc il connaît le bloc catch vide, mais fait une instruction, alors l'exception capturée est ignorée. Une telle utilisation de l'instruction try catch n'est pas une bonne pratique, il est préférable de toujours apporter un traitement adapté lors de la capture d'une exception. Donc, jamais traité le bloc de un catch vide. Donc, catch entre deux, on va traiter l'exception. Donc, il y a la division par zéro, afficher la division par zéro. Sinon, qui met le zéro, on va traiter l'exception. Je vais mettre le zéro, c'est ça. La troisième remarque, éviter d'attraper une exception en mettant dans le bloc catch un simple affichage de message qui ne donne pas d'informations sur le problème. Donc, le message de comme est affiché, il met une information à le problème. Au minimum, afficher ce qui affiche la méthode print stack trace afin de pouvoir résoudre le problème. Allez, donc, c'est une méthode qui affiche le. Oui, t'afficher où sera exactement le problème. Je m'utilise avant. Mais tu peux le faire. En tout cas. Donc, dimanche, on va essayer le bloc catch. Bien, oui, je vois, tu me donnes une information, elle a le titre à l'exception, tu as comment le problème est ça. Alors, si une variable est déclarée à l'intérieur d'un bloc try, elle ne peut pas être utilisée à l'intérieur d'un bloc catch, il faut déclarer les variables communes à l'extérieur du bloc try catch. Donc, il y a quand une variable déclarée à l'intérieur du bloc try, on peut utiliser un autre bloc catch. Donc, il y a quand habite utiliser une variable commune, déclarée à l'intérieur du bloc try catch, qui m'a IMG déclaré comme là, ce sont des variables communes. Donc, à demain, les remarques qui sont le bloc try catch, j'espère que nous avons toujours le bloc try catch. Donc, le bloc try catch, c'est une manière pour traiter une exception. Une exception qui m'a dit, ça, erreur. Les traders qui m'ont dit, le programme TAC qui peut interrompre l'exécution de le programme TAC. Donc, le bloc try catch, il traite l'exception TAC. Donc, le bloc try, il y a une ensemble d'instructions. Donc, l'échec fait une provoquée. Ou là, il le vit avec une exception. Ou catch dire entre le type de l'exception tag ou le traitement, les habits ou l'exception radique. Tout simplement. Donc, je pense que c'est tout pour Lyon. Je vous fais la prochaine fois. Si le cas de l'exception n'est pas traité. Pardon. Alors, si une exception remonte jusqu'à la méthode main, parce que vous avez un bel la méthode implantique ou la méthode implante qui m'a fait l'exemple. Mais quand je fais une méthode implante là, ça dépend de la méthode main qui m'a fait l'exemple. Si une exception remonte jusqu'à la méthode main sans être traitée par cette méthode, donc pas traitée par les autres méthodes non plus. Donc, ma traité à ta méthode, qui est la pile qui m'a fait le cas, il n'y a aucune méthode. Donc, directement, on va faire la méthode maintenant. Alors que l'exécution du programme est stoppée, le message associé à l'exception est affiché avec une description de la pile des méthodes traversées par l'exception. Donc, qui m'a fait la pile à faire, on a fait des méthodes de la ramdacha. Donc, c'est tout simplement comme si on a le bloc try. Alors, on a l'erreur qui m'a fait la traité, on a affiché le type de l'exception. Ou normalement, on a affiché l'exception ou une description de la pile des méthodes traversées par l'exception. Donc l'exception est peut-être là, parce qu'on a choisi une méthode, la méthode est traitée avant, peut-être la méthode main. Et dans ma traité, je crois que c'est ça l'exécution de le programme, c'est que donc c'est l'exception. L'exception soit traitée, soit l'exécution de le programme. Donc, ça n'a pas la fin de la vidéo d'aujourd'hui, mais je sais que tu es toi là, mais allez, je vois le bloc try catch, j'espère que tu connais Femteur. Et dans Femteur, bien sûr, contactez-moi, si une femme qui m'a fait ça avec Femteur, je vais faire un malcom. Ou à la prochaine, Inch'Allah.